Tu sens mon amour? Tu sens? Ouais, la liberté. Ouais. Oui, parce que nous aussi, on est confinés, messieurs, dames. Salut les voyeurs! Salut! Donc le cadre est pas super, mais bon, il y a des jours où on peut pas. Hein. Ben, c'est magnifique pour nous parce qu'on a le Bosphore en face. Vous le verrez pas, bien sûr, parce que sinon on va être en contre-jour. Ouais. Mais après, on vous fera un petit plan, on va être sympa quand même. On va vous faire profiter aussi. Mais le temps est maussade quand même. Hein. Ouais, ça sent la pluie, tout ça. Mais on va quand même profiter de notre semi-liberté, ça y est, il y a le couvre-feu, mais on peut quand même aller se balader, c'est agréable. Ouais, donc là on vient de passer à la poste, envoyer une carte postale à nos titis, nos tipeurs, qui ont fait un don sur notre compte Tipeee, on les remercie une nouvelle fois. Donc les cartes postales sont postées, maintenant elles arriveront quand elles arriveront. Ouais, on ne sait pas, nous tenez au courant comme ça, ça nous donnera une idée du truc. Et puis là, bah, on va aller se balader un peu quand même. Ouais, on a 2-3 petits achats à faire avant le départ. Et voilà. Allez, c'est parti. Vous avez vu cette file d'attente monstrueuse? Non, ce n'est pas pour entrer dans un lieu touristique. C'est pour la super cagnotte à 100 millions de liras. Un truc de fou. Après, j'ai envie de jouer. Stop! Ça va pas ou quoi? T'as pas des trucs à faire là au lieu de te promener? On n'est pas là en vacances hein. Ok, je vais y réfléchir. On t'écoute, Wiki. La poste, ça c'est réglé. Mais maintenant, chose très très importante, il faut absolument qu'on trouve quelqu'un qui nous imprime des papiers officiels et primordiaux qui vont nous permettre de faire notre escale aux États-Unis. Et ça, c'est pas gagné. Alors maintenant, on va arpenter les rues, il faut trouver ça. Grâce à mon super mamour, nous avons trouvé un commerçant qui nous autorise à imprimer nos documents. Cool! Nous voici dans le Grand Bazar à la recherche de tongs. Et c'est pas gagné. Les photocopies, c'est fait. C'est très important parce que quand on voyage et qu'on fait une escale en transit, peu importe où dans le monde, il faut rien en fait, il n'y a pas besoin de papier. Même s'il y a une obligation de visa, il n'y en a pas besoin. Mais pour les États-Unis, il faut un papier pour pouvoir mettre le pied sur le territoire américain. Donc on a réussi à faire tout ça sur internet parce que c'était la demande 72 heures avant. On a fait ça vite fait hier soir, on a eu l'obtention et là on a pu enfin imprimer nos papiers. On va pouvoir poser le pied sur le sol américain et surtout pas y rester après. Allez, maintenant il est l'heure de manger. On va se régaler. Adana. C'est quand même étonnant, on s'est tapé tout le Grand Bazar et un 21 décembre à Istanbul, pas une paire de tongs. Truc de fou. Là, on va sur les Champs-Élysées stambouillottes. Je vais m'acheter des loukoum. Non,
Don't worry, we have losing for TM. This one also your name. I have that pistache. All is good. Il est 16h, retour au Airbnb. Au chaud? Ouais, ça fait du bien parce que dehors. Il fait froid, hein? Ah, et c'est même plus que froid. Et... On a l'impression d'être en hiver. Ouais, c'est un peu ça, ça caille grave, quoi. Et puis bien sûr, on a des bonnets, mais. On les a pas pris, hein? Bah non, on les a pas pris. Minimaliste? Bah oui, hein. Oh, alors que. On aurait été si bien avec les bonnets sur la tête. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Bref. Donc, on a réussi à faire quasiment tout ce qu'on voulait. Oui. La poste. Important, puisqu'on avait promis qu'on enverrait une petite carte au tipeur. C'est fait. Ouais. Ensuite, on a réussi à imprimer ces formulaires ESTA pour pouvoir poser le pied. Aux États-Unis, si vous êtes en transit, il vous faut ce document. Il ne faut pas un visa, mais il faut le document ESTA. Voilà. Qui coûte un peu moins de 15 euros, hein. Ah ouais, il coûte 14 dollars, donc ça fait dans les 11 euros. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est soulagé aussi. Ouais. C'est un soulagement, pardon. Maintenant, le seul truc qui nous inquiète un peu, c'est les Allemands qui viennent de décréter aujourd'hui des restrictions et qui demandent apparemment un test Covid. Mais il faut qu'on se renseigne parce que est-ce qu'elle a besoin également pour ceux qui sont juste en transit ou seulement si on met le pied vraiment sur le territoire allemand, on va voir tout ça, quoi. Enfin, donc, il y a encore des péripéties qui vont arriver. On n'est pas encore à destination, apparemment. Ouais, donc ça, c'est le programme pour demain. Il faut vraiment qu'on règle ces trucs. Donc, on ne va pas filmer demain. Là, c'est la 40e. C'est la dernière à Istanbul. Je touche du bois. ouais. Normalement, ça devrait être terminé ensuite. On n'a donc pas trouvé les tongs. Ce qui est un peu logique un 21 décembre, hein, mais mon maman, elle a toujours des idées un petit peu farfelues des fois. Non, mais j'aime bien tester les trucs, quoi. Ouais, d'accord, bah ça y est, ça s'est testé. Ensuite, elle a décidé de manger des loukoums au chocolat. Donc ça, je vous le dis aussi, on les a pas trouvés non plus. Ah, des loukoums, c'est pas ce qui manque. Non, il y en a. Il y en a partout. Mais moi, je veux ceux qui n'existent pas. Voilà, au chocolat, donc bon. Non, ça existe, mais on les a pas trouvés. Ouais, on en a trouvé qu'une seule fois. J'ai fait la chiante. Ouais, on peut le dire, ouais. On peut le dire. Donc, on s'est rabattu sur des graines de tournesol, un paquet de 500 grammes. Ouais, mais voilà. Ça fera l'affaire. Ah ouais, ça va faire l'affaire. On prendra moins de poids avec... Je sais pas, les graines de tournesol, je sais pas. Ah, ça me fait 500 grammes, quand même. Aux inséparables. Ouais, oh là là, c'est romantique. C'est mignon. Bon, alors, ben, pour nous, aujourd'hui, c'est terminé. Demain, vite, un dernier déplacement en bus pour aller à l'hôtel. Au plus près de l'aéroport, parce que comme on décolle mercredi à 7h10, pas question de se taper une heure de bus ou une heure et demie de bus depuis Istanbul, centre-ville. Donc demain, un peu de trajet, on filme rien. La prochaine fois qu'on se retrouve, normalement, c'est à destination. À destination, on vous dit toujours pas où ça se trouve. Ça, c'est le meilleur des cas de figure. Ouais. Et le second, parce qu'il y a aussi cette éventualité, on se retrouve à Istanbul, parce qu'on n'a pas pu décoller, tout simplement, voilà. On n'espère pas. Donc, on espère que vous avez passé un agréable séjour en notre compagnie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Ouais. On est là pour ça aussi. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne nous ont jamais vus, c'est la première fois qu'ils sont tombés sur la vidéo au hasard. Ben, on vous invite à aller voir les autres et puis à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, sur ce, on vous dit... Bonne nuit, les petits.